Une toute minute vidéo. Regardez ça, la RAM. Oh là 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 là. Et oui, là, je suis en train d'utiliser la machine qui dispose du moins de RAM. Cette machine-ci dispose seulement de 12 petits gigas de RAM, sinon toutes mes machines c'est 16, 20 ou 24. Ici c'est 12, c'est fait exprès comme ça. Regardez, je peux vite utiliser le maximum de la RAM disponible, juste en lançant deux petites VM. Et regardez, soyons fous. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Oh, il est fou! Là c'est le CPU qui s'emballe. Boum, boum. Boum, voilà. Ici, on demande des infos. Et qu'est-ce qu'on voit? Ouais, j'utilise pas mal ma RAM. Espace d'échange. Ouh, ça monte, et ça monte, et ça monte. Et ça monte. Mais je n'utilise pas mon fichier swap. Ce n'est pas un fichier swap. Et non, c'était juste pour vous montrer. Regardez. Si je fais swap on, oh pas comme ça, swap on tiret petit s, voilà, j'ai bien mon fichier swap, ok, de 2 gigas, et j'ai le reste c'est de la compression de RAM, ZRAM. Et quand j'avais dit, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de supprimer votre fichier swap, sauf si vous voulez gagner de l'espace disque, sinon vous n'êtes pas obligé de le supprimer, et vous pouvez en plus donc installer ZRAM. Ce sera ZRAM prioritaire sur le fichier swap, donc d'abord prioritaire la compression de RAM, et s'il n'y a plus moyen de compresser ce qu'il y a en RAM, eh bien viendra à la rescousse le fichier swap, et bien on en a la preuve. Et d'abord utiliser, regardez, la technologie ZRAM, et si ça ne suffit pas, s'il n'y a plus moyen de compresser ce qu'il y a en RAM, sera utilisé le fichier swap. Voilà, c'était juste ça. Allez, bye bye.